On m'a donné bien des noms. Messie. Empereur. Dieu. On dit que j'ai sauvé le monde. Pourtant, avant de devenir une légende, je n'étais qu'un homme. J'ai peur qu'ils ne finissent par l'oublier. Si cela devait arriver, ma quête aurait été vaine et n'aurait servi qu'à repousser l'inévitable. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vous raconte mon histoire. Ce n'est pas l'histoire d'un dieu, pas plus celle d'un soldat ou d'un conquérant. C'est l'histoire d'un homme, et donc un peu la vôtre. Viens, viens mon enfant. Entre, Ish, et redeviens l'enfant de la terre. Cette œuvre est ta route, elle est aussi vieille que le monde. Peut-être même un peu plus. Cela dépend de l'âge que l'on prête aux dieux. Entre, Ish. Entre. Les échos du passé et du futur se mêlent dans les eaux du Rhin. Si tu n'y sombres pas, tu pourras y découvrir la raison du présent. Tu vas devoir plonger dans un rêve oublié. Un poème antique. Un mythe. Il te faudra reconstituer l'une des œuvres les plus fascinantes de l'ancienne civilisation humaine, l'anneau des Nibelungen. Votre Majesté ? Au travail. Tout de suite, Votre Altesse. Pas comme ça, Drill. Panoramique,
Oh, pardon, je suis un peu rouillé. Voilà, Ish. Je t'ai rendu œil et bras. Tu peux te lancer. Mais ne t'inquiète pas, je t'accompagne. Alberich, l'albe sombre, le seigneur nain des profondeurs. Contraint à l'alliance, il rampe vers les ténèbres, préparer sa revanche contre le dieu Oni. Là, il brusque la terre par le métal, dompte le métal par la force et poursuit au royaume des ombres ses rêves de grandeur. Le tumulte, sa rage avait poussé Votan à lever l'armée des immortels, mais seul le choix de la haine a le pouvoir de rompre les traités. Log, ah Log, si un jour tu connais vraiment l'esprit du feu, Ish, alors tu connaîtras l'insaisissable, la distance, le cynisme. Contraint par Votan à s'incarner pour le servir, il peut plier genoux devant le pouvoir divin, en exécuter diligemment les ordres, conspirer, manipuler, ourdir. Mais les jeux de l'autorité sont ambigus, et lorsqu'en l'émissaire, devenu indispensable, se distille la sourde emprise du conseiller, sache, Ish, que le salut des dieux eux-mêmes n'est plus assuré. Les dieux ne donnent pas la vie, ils façonnent leurs enfants à l'image de leur plan. Sigmund, l'homme le plus libre, destiné à brandir l'épée invincible contre le gardien de l'anneau. Sigmund, l'homme le plus pur, qui le premier trouve l'amour au champ d'orgueil. Sigmund, que l'épée attend pour lui rappeler au prix du sang que lui-même fut voulu comme une arme dans le jeu des puissants. Oh là là là. Seuls peuvent l'avoir ceux qui sont voués à la mort. Pour tenter de contrer la fin honteuse des dieux, pour que son noir ennemi le trouve prêt au combat, Votan a chargé ses 9 filles, les Valkyries, de choisir sur le champ de bataille les héros valeureux afin de les mener au Valhall et d'y former l'armée des immortels. De l'art de la guerre, de la bravoure et de la loyauté, Brunhilde connaît tous les arcanes. Il lui reste à découvrir ceux de la liberté. Au cœur des brumes éternelles dormait l'or des filles du Rhin. Elle le gardait sans relâche et s'enivrait de sa contemplation.
mais son rouge éclat abrite des runes de pouvoir immémorial, promesses de richesse et de puissance pour qui serait façonné l'anneau. Nul ne connaît le charme. Pourtant, le sortilège reprend vie. L'écho de ses promesses se répand. Autour de l'or s'enroulent à nouveau les nœuds mortels de la convoitise. Wotan, l'albe claire, le dieu des dieux. Tout-puissant, il règne parmi les siens, au Valhall, sur les cimes et sur le ciel. Sa lance gravée de runes est la source de son pouvoir et le symbole de l'ordre nouveau. Par elle, il a gagné la main de Frigga, déesse du mariage. Par elle, il a contraint nains, esprits et géants au traité de l'alliance loyale. Mais Wotan s'est emparé des runes par l'audace. Il a imposé les traités. Il a taillé la lance dans la violence. Aux confins de son empire, la haine, l'amertume et la rancœur travaillent déjà à la rébellion. Et seul pourrait l'aider ce qu'il ne sut jamais créer, l'homme libre. Ma veste, te voilà de retour. La mine, les Nebelungen, c'est pas ma faute, ils sont tous partis. Oh, tu dois faire quelque chose. Le roi c'est toi, ça s'en aurait dit, pourtant, parti, fuite. Mais maintenant tu es là, on va pouvoir travailler. Surtout, tiens le glug et les minerais, en caisse ma bonne foi. Ta bonne foi, mon pauvre Mime. La peur, la répression, voilà des mots qui sonnent à mes oreilles. La foi, bonne ou mauvaise, est comme la volonté, une question de discipline. Que suis-je supposé faire de tes jouets ridicules? Le carburateur de la moto, une des seules sauces qui fonctionne encore. Dis-moi, parodie de frère, quelle est cette merveille que tu tentes de me cacher? Ça? Oh, ça c'est pas grand-chose. En fait, ça fait plein de fumée, une saleur colossale au contact de l'eau. C'est une larme de l'esprit du feu, Log. La seule qui l'est versée, le jour où Wotan l'a forcé à prendre un corps, ou quelque chose comme ça. Un adieu à la liberté. L'unique perle de tristesse que Log ait laissé échapper de son divin regard. Pathétique. Wotan peut bien garder l'esprit. La larme me suffit. Pour l'instant. Dans les ténèbres putrides de ta forge, une image. Aurais-tu développé un goût particulier pour le beau? Toi, le poissard courteau, glauque et rampant de ce palais des taupes? Je l'aime bien. Mon gris-gris, quoi. Ça, je garde. Thank you.
sont pas énervés. C'est toi le roi. Prends ton bout de verre. Voyons ce petit pot-là. Que contient-il ? Des grenouilles magiques du Rhin pour le casque de plongée. Si ça peut te faire plaisir. Mais pourquoi tu me tapes ? Parce que tel est mon bon plaisir, potiron malodorant. Oui ? C'est moi, Alberich, votre roi. Oh ! Montez, nous avons grand besoin de vous parler. Bien sûr, monseigneur. Je rejoins l'ascenseur. Faites-moi monter. Ainsi, votre majesté est de retour. Votre royaume a été plutôt calme ces temps-ci. Au cas où vous vous intéresseriez à notre bien-être, sachez que nous nous sommes lancés dans notre propre programme d'extraction minière. Nos premiers résultats sont extrêmement prometteurs. Vous m'en voyez ravi. Oui, c'est merveilleux, n'est-ce pas ? Et puis cela prouve qu'une organisation du travail basée sur la solidarité et les efforts mutuels peut se révéler aussi productive que vos méthodes plus, disons, monarchiques. Je veux que vous retravailliez pour moi. Vous le voulez ? Comme c'est flatteur. Deux problèmes cependant. D'abord, plus rien ne marche en votre royaume. Et puis, je n'y vois pas trop notre intérêt. Enfin, je vais te dire, soyez réaliste, il n'en est pas question. Je saurai vous faire changer d'avis. Thank you.
Lorsque se fanèrent les plaisirs de la jeunesse, Wotan aspira au pouvoir. Sa hardiesse exigeait la puissance, son ambition, la conquête du monde. Il voulut devenir le dieu des dieux. Au pied du frêne du monde tissait la première norne. Son chant révélait le sens des choses et une source coulait dans l'ombre fraîche. Wotan but la toute sagesse dans ses eaux murmurantes, mais l'un de ses yeux fut l'éternel tribut de cette audace. Wotan l'éclairait, rompit alors une branche du frêne du monde et se tailla une lance dans le tronc sacré. Sur le bois de la lance, il grava les runes des traités loyaux. Ses anciens rivaux, les géants comme les nains, furent contraints à l'alliance. Wotan, devenu dieu des dieux, régnait sur le monde.
Mes sœurs, écoutez une ode pour le Rhin et une à notre père Wotan, pour nous avoir confié une mission si délicieuse. Se jouer toute la journée des eaux changeantes et veiller un trésor sacré, une étoile engloutie qui à nous seuls réserve le spectacle radieux de ses mille feux. Je te trouve bien légère. L'or dort pour l'instant, mais il est convoité, et Wotan nous a ordonné à raison de le garder. Aurais-tu oublié ? À celui qui possède l'or, il saura lui donner la forme d'un anneau. À celui-là, iront une puissance sans mesure et toutes les richesses de ce monde. Tes inquiétudes sont inutiles. Seul celui qui renonce à l'amour pourra accomplir un tel prodige et façonner l'anneau. Viens plutôt jouer avec nous et sois sans crainte. Tout ce qui vit veut t'aimer. Hé là, gentil seigneur, approche. À ta vue, mes prunelles s'embrasent, mes lèvres frémissent, et il me prend le caprice de t'initier au jeu du Rhin. Crois-tu, pauvre poisson, que tes œillades m'aguichent ? Va donc chanter ton désir au saumon et aux truites. Laisse ma sœur à ses enfantillages et viens plutôt me rejoindre. Regarde, dans mon corps parfait reposent les autels de toutes les voluptés. Insaisissable comme le fleuve, trompeuse comme une femme, tout nain que je ne suis pas assez fou pour me perdre en tes filets. Moi seule, je vous ferai le don au goût d'éternité de répandre la tendresse au creux de mon étreinte et de vous faire boire sur mon sein la paix, le bonheur et l'oubli. Je n'ai guère de goût pour la paix et le bonheur. Et quant à t'oublier, poisson, c'est déjà fait. Thank you.
Ainsi tu connaissais du désir le visage le plus noble. Savoir attendre de l'objet ou de l'être auquel tu aspires, qu'il s'offre à toi en cadeau, sans l'arracher comme un dû. Que m'a donc jusqu'ici valu le désir? Les moqueries, le mépris, un goût amer. C'est donc le cœur léger que j'abandonne le désir au fou pour suivre de plus hautes ambitions. Ce que ma sœur t'a donné de plein gré, je te demande maintenant de me le confier. Je le garderai comme un cadeau précieux et te garderai sain et sauf en retour. Vois-tu, étranger, ton serment de confiance a protégé les premiers pas de ton parcours, que le mien, à présent, te garde pour la suite. Mais souviens-toi, un serment n'est pas un cadeau. Tu es revenu sans que cela te soit demandé. Garde donc ce qui jamais ne fut mien, puisque tu t'en es montré digne. La confiance? L'excuse favorite des faibles. Je suis un conquérant, pas un mendiant de gentillesse humaine.
Un cœur généreux bat dans ta poitrine. La récompense que je t'avais offerte, tu me la rapportes chaleureusement en cadeau. Tu dois donc être à nouveau récompensé. La générosité laisse l'homme nu et glacé. Je choisis d'être riche et au chaud, condition qui sied mieux à ma royale nature. J'ai besoin d'eau. J'ai besoin du Rhin. Pour l'amour de vous et par gratitude, je me dois contre moi de vous prévenir. Je peux ouvrir dans la descente les portes que vous avez scellées, mais sur le chemin du retour, vous les trouverez closes. Je sais à présent ce que cet or représente à vos yeux. Et n'ose vous demander un tel sacrifice. Ainsi vous m'avez sauvé, bien que vous en sachiez le prix. Il vous sera accordé de remonter, mais je vous en conjure. Ne tournez pas le dos à l'amour, ne scellez pas la dernière porte. Un autre trésor vous attend si vous m'écoutez. Un pouvoir bien plus grand encore. Sur ce point, je leur donne raison. Le sacrifice est en effet une chose bien noble. Je sacrifierai d'ailleurs, sans une once de remords, tous ceux qui se mettront en travers de ma route. Eh bien, voilà l'or, désastre ambulant. Ce ne fut pas si rude.
ouvre tes oreilles et rassemble tes quelques rares facultés. Il va te falloir forger, selon mes instructions précises, un anneau et une couronne. Le monde est à moi, les Nibelungen, mes esclaves! Mais pourquoi tu me tapes? Parce que tel est mon bon plaisir, potiron malodorant. Oui ? C'est moi, Alberich, votre roi. Oh ! Montez, nous avons grand besoin de vous parler. Bien sûr, monseigneur. Je rejoins l'ascenseur. Faites-moi monter. Qu'as-tu appris, mon fils ? J'ai appris que l'envie est une maîtresse cruelle. J'ai vu un homme renoncer à l'amour pour l'or. Et pourquoi voulait-il tant cet or ?
pour prendre le pouvoir, servir les siens et les forcer à aller lui chercher plus d'or encore. Sache, mon enfant, que tout ceci n'est pas très éloigné de ce qui causa la perte du genre humain. À l'aube du 21e siècle, les 9 formes de vie intelligente dans l'univers entrèrent en contact. Ce fut le second grand bouleversement de l'histoire humaine. L'envie fut rapidement plus forte que la curiosité, et une guerre à nul autre pareil commença. On se battait pour le pouvoir, les richesses et l'espace pourtant infini. Une coalition se forma bientôt entre les 4 plus puissants belligérants. Les humains étaient du côté des vaincus. N'en conclut pas pour autant qu'ils étaient des victimes innocentes. Eux aussi avaient sacrifié l'amour à l'envie, cette maîtresse cruelle. Des images me reviennent en t'écoutant. J'ai déjà appris tout cela. Mais dis-moi, mère, tu as dit que ce n'était que le 2e grand bouleversement? Quel fut le premier? L'âge d'or du genre humain. Je ne sais pas de quelle période tu parles. C'est normal. Ce temps n'est pas encore venu. Qu'as-tu appris, mon fils? J'ai appris que l'envie est une maîtresse cruelle. Nous avons achevé le Valhal. Nous avons plus que prouvé notre dévouement. Et tu as plus qu'abusé de notre patience. Nous ne partirons pas sans notre dû. Le prix que vous exigez est inconsidéré. Freya la douce. Freya aux mains d'abondance, auprès de laquelle nous venons chaque jour quérir notre immortalité. Je ne peux l'abandonner. Comment oses-tu, ô toi de tous les dieux, le premier sans parole, rompre ton serment? Freya nous fut promise. Freya nous appartient. Puisque tu prétends nous payer de ton seul mépris, dieu mortel et parjure, que notre colossal chef-d'œuvre vous ensevelisse sous ses décombres. Nous gardons Freya. L'art, Votan. L'art peut être notre seul salut. Alberich l'a volé et a forgé l'anneau. Je crois savoir qu'il entasse depuis des richesses sans nombre dans le sombre Nibelheim. Votre labeur fut immense, votre récompense doit être infinie. Je ne vous propose pas l'or, mais son intarissable source. Vous devez accepter ce prix. Nous avons appris à nous défier de toi, Votan. Lorsque nous verrons l'or, et s'il est aussi inépuisable que tu le dis, nous te rendrons, Freya. Log, mon fidèle conseiller, rends-toi au Nibelheim. Arrache or et anneau aux pattes sordides du nain. À nouveau, je ferai face aux géants. Toi, descends dans la mine t'occuper du rampant. Hola ! Halt ! Qui va là ? La mine est fermée. Pas de visite interdit. Ne vous approchez pas, hein ? Je travaille à quelque chose de très précieux. Très ! Allez, oust ! Arrière ! Revenez dans 3 ans. N'ayez crainte. Ma requête est des plus élémentaires. Je souhaite rencontrer Alberich. Le maître ! Très occupé. Impossible, pourra pas. Et qu'est-ce que vous lui voulez, au maître ? Je suis venu de très loin pour le voir. La renommée de la mine s'étend bien au-delà de son vacarme. Breda, on est connu, loin. Et vous êtes une espèce de barde, vrai ? Et c'est pour ça nos costumes ? On peut pas déranger le maître, ça non. Mais je peux essayer de vous expliquer. Tout ça, c'est grâce à lui, vous savez.
C'est un grand mage. Terrible. Il a tout relancé ici. Sûr. Il tue tout le monde à la tâche, mais on n'a jamais autant produit. C'est grâce au Crisbé. Le Crisobéril. Mais ça, je peux rien dire. Défense absolue. Secret. C'est comment dire, un produit de transformation. Point fin. Mais très ingénieux, hein? Comme le coup des peurs premières. Les peurs premières? Ça, je peux dire. C'est pas technique. C'est depuis l'anneau et la couronne. Quand il a pris les pouvoirs des dieux, enfin, une partie, et en particulier celui de représenter, de faire surgir en image les grandes choses qu'il y a au fond du cœur des hommes ou des nains, c'est pareil. Les fantasmes, les grandes peurs, ça il aime beaucoup, il est très fort. Il en a découvert 6 là récemment qui sont très réussis. Il les invoque et puis terrifier les nains, ça les fait travailler plus vite, sûr. Alors moi, je l'assiste un peu. Je lui ai forgé des petits diffusés pour qu'il puisse les faire venir tout de suite, sans tout le tralala de concentration. Enfin, notez, il y en a 3 dont même lui a encore un peu peur. Hein. Mais après, Witch, il sera tout comme un vrai dieu, sûr. Pardonnez si je m'égare, mais la légende dit qu'il faut renoncer à l'amour pour gagner l'anneau. Un tyran peut se permettre d'ignorer l'amour, mais un dieu, c'est impossible. Les dieux jouent du cœur des hommes par leurs désirs, tant et plus encore que par leur peur. Si c'est de ça que vous vouliez lui parler au maître, heureusement je vous ai retenu. Il vous aurait assez mis en bouillie. Ce genre de fatras de poète, il déteste. Ça l'agace. Enfin, si vous voulez continuer à rêvasser, faites une petite balade dans la mine et repassez à l'occasion. Ah oui, ne parlez pas aux ouvriers, hein. Ça fait baisser la productivité. Migondi cagnard. Fossoyeur de boyaux. Enfin, tu es venu. Je ne t'imaginais pas comme ça. Je suppose que même dans la mort, guerriers et mineurs ne se mélangent pas. Mais tu me conviens mieux qu'une valkyrie. Je suis content. Fais vite. Je crois qu'il te prend pour la mort elle-même. Pauvre fou. Je veux bien être sa mort s'il sert mes desseins. Menteur. Ce ne sera pas long. Quelques questions tout au plus. Par pitié, pas d'énigmes. Voilà des semaines que je croupis dans cette cage, alors épargne-moi tes devinettes. Emporte-moi simplement. Je t'exaucerai, mais tu dois m'aider auparavant. Je ne suis pas venu que pour toi. Alberich, ton bourreau. Je dois le détruire. Oh, Dieu des dieux, merci.
Ainsi, pour nous autres révolutionnaires, la mort s'avance appuyée au bras de la justice. Je t'aiderai, esprit létal, avec hargne, avec joie, mais jure de me donner ensuite la récompense du repos. Je te le jure. Pourquoi Alberich a-t-il tant besoin du chrysobéryl ? Ce monstre, ce renégat ! Il a réussi à fabriquer un œuf philosophal. N'importe quel métal plongé dedans se transforme en or. Mais pour cela, l'œuf doit être entièrement recouvert de chrysobéryl. La pierre concentre l'énergie et rend toute chose qu'elle enveloppe de ses feuilles totalement indestructible. L'œuf, lui, accomplit le prodige. Mais au fil de cette mystérieuse opération, il use et épuise sa précieuse carapace. Voilà pourquoi Alberich oblige les Nibelungen à creuser sans trêve, car la pierre est rare, hélas, très rare. Qu'espérer en ce monde tant que les nains enverront d'autres nains à la mine pour un peu de métal ? Dis-moi encore, comment dois-je m'y prendre pour atteindre Alberich ? Tu t'exposes là à forte tâche. Il est pleutre comme tous les dictateurs et ne descendra pas. Les Nibelungen ne comptent pas sur leur aide. Je leur ai dédié ma vie, j'ai tenté de les pousser à la révolte. Peine perdue. Un épouvantail qu'on vient narguer pendant la pause, voilà ce que je suis pour eux. Tous se feraient couper en rondelles pour protéger ce rat mégalomane. Tu ne pourras même pas l'approcher. La seule solution, c'est de les tuer. Tous. Crois-moi, la mort dans l'âme, je te le dis. Mon peuple est damné. Déchu, ivre de servitude. Que sa lamentable histoire disparaisse avec lui. Mais pour Alberich, ça ne suffira pas. Tant que les machines fonctionneront, il sera invisible. Tu dois t'emparer du cœur énergétique de la mine. La larme de Log, l'infamante larme de l'ancien esprit du feu devenu esclave lui aussi. Tout ce qui aspire à se soumettre nourrit la tyrannie, le feu, les nains, et aujourd'hui, la pierre. C'est à se demander si l'on ne doit pas honnir la faiblesse plus encore que la force brutale. Noie les nains dans l'abysse de leur idolâtrie, empare-toi de la larme, affronte Alberich. Il est temps, maintenant. Tiens ta promesse, apaise mon âme écorchée. Tu seras donc affranchi par un cerf, d'esclave à esclave. Tu m'as aidé, sois-en remercié. Avec les compliments de Log. Termite pétreux! Fossoyeur de boyaux.
mort sans procès. Mes nains ! Mini Belungan ! Il a tué mes nains ! C'est pas possible ! Tous mes nains ! Mes petits nains ! Et je fais comment, moi, maintenant ? Monsieur, je tue tout le monde et ça m'empêche pas de flamber, hein ? Je fais comment sans nain ? Un nain ! Juste un ! Mon royaume pour un nain ! Wotan m'envoie son animal de compagnie le plus cher. Ouf, ouf, aboiras-tu pour moi en faisant des tours? Non, l'ancien t'envoie me mordre les talons. Tu ne m'impressionnes pas, mon pouvoir est immense. Retourne chez ton maître, allez, à la niche. Les peuples à asservir ne manquent pas. Les rampants sont déjà à moi. Wotan m'envoie pour te prendre l'œuf, la couronne et l'anneau. Ou alors... Parce que ce n'est pas assez. Ou alors pour te détruire. Oh, hou, hou. Et après on dit que je suis autoritaire. Soyons clairs, Toutou. Wotan est un dieu. C'est même le dieu des dieux, d'accord. Mais moi, tu vois, je suis le nain des nains. Le plus grand des petits et de loin la plus méchante, brutale, cruelle, sadique et dangereuse créature de moins de 5 pieds qu'il t'ait été donné de rencontrer. Alors, garde tes menaces pour les stupides barbares poilus des plaines et va te faire arroser ailleurs! Dis-moi maintenant ce qui sépare les dieux des monstres quand chacun tue pour parvenir à ses fins. Va-t'en, esclave, j'ai plus d'estime pour les loups que pour toi et ceux que tu sers. Les loups tuent par besoin sans avoir à prêter autre allégeance qu'aux saisons. Toi, tu fais un piètre prédateur. Tu te trompes, Alberich. Nous ne sommes pas des prédateurs, et nos actes échappent à ta logique. Wotan tue au nom de l'ordre, tu tues au nom de l'or. Moi, je n'agis qu'en mon nom et ne pétribue qu'à mes propres caprices. Quant à la liberté, apprends que j'étais là avant l'or, les nains, les dieux, et que je serai là quand vous tous ne serez qu'un souvenir, un écho porté par le vent, un reflet fantôme dans l'eau. Quelques empreintes dans la terre, et pour moi une petite odeur de brûlé, car à la fin, je suis la destruction, et seule celle dont j'annonce la venue me survivra. Wotan a trouvé une façon de m'attacher à son service pour quelques instants d'éternité. Qu'à cela ne tienne. Un moment de distraction, à peine plus. Que tu interrompes mon travail, cela n'est pas bien grave. Que tu tues les miens, je peux l'accepter, les hommes serviles ne manquent pas et je saurais bien me trouver une autre main d'œuvre. Que tu me menaces, cela m'amuse beaucoup. Mais supporter le récit de tes contes insipides et devoir écouter ton ennuyeux verbiage, voilà une épreuve qui est bien au-delà de ma patience. Apprends de ma main cette leçon. Les éléments, tout immuables qu'ils soient, connaissent aussi l'effroi. J'appelle
L'insidieuse flèche au manteau de mensonge, l'ondulation venimeuse annelée de toute ruse et toute ignominie en ce monde. Que vienne l'antique force et la fougue au galop d'étincelles dans les orages du soir. Que vienne la morgue farouche et la fière révolte des anciens de ce monde. Une dernière fois, la loyauté l'emporte sur la ruse. Elle ne résistera pas à la férocité. J'appelle les ténèbres et la confusion déchirée d'une aile noire, le cauchemar griffu hérissé d'âpre cruauté. Que se lève le tumulte des gardiens disparus, des grandes sentinelles de la nature, dans leur brasier d'emphase exaspérée des foudres d'une juste colère. Par ta main, la puissance primitive dissipe le chaos. Qu'elle affronte donc les criminels glacés qu'engendrent les frontières. J'appelle l'effroi tranquille de la contre-nature, l'immobile destruction de celle qui transgresse l'ordre. Que viennent donc le début et la fin, et l'envol embrasé, et sa pluie de miracles, et la grâce souveraine de la vie éternelle. Par trois fois, tu as vaincu. Mais n'oublie pas, le temps que tu gagnes aujourd'hui sur les forces que j'ai réveillées n'est jamais qu'un délai. Ma vie, perfide mercenaire, prends ma vie, mais laisse-moi l'anneau. C'est moi qui ai dérobé l'or, c'est moi qui ai choisi l'irréparable pour le forger. Je te mets en garde. Ce forfait, je l'ai commis librement et n'ai payé que de moi-même. Mais si tu rapportes l'anneau à ton maître, c'est contre tout ce qui fut, est et sera que tu attentes. Cet anneau est mon bien. Ton bien? Pauvre Tyrannion. Va donc demander aux filles du Rhin si elles étaient si désireuses de te donner l'or. Tu as perdu, Alberich. Cesse tes jérémiades et réjouis-toi seulement d'être libre. Vraiment? Je suis libre. Eh bien, mon premier hommage à la liberté, je vous l'offre, à toi et à l'engeance que tu sers. Cet anneau, pour lequel j'ai maudit, je le maudis à son tour, qu'il appelle la mort sur celui qui le porte. Que tous le convoitent, et que celui qui le possède ne connaisse qu'angoisse et affliction, que le maître de l'anneau devienne à jamais son esclave, qu'il vive sous l'incessante morsure de la peur, et que, voué à la mort, il agonise de désirs inassouvis, jusqu'à ce que ma main ait retrouvé ce qui me fut volé. Alors veille, veille bien sur l'anneau, ma malédiction vous rattrapera! Votan, vieil usurpateur, tu essaies encore de nous berner. Ton petit œuf ne marche pas. Et nous non plus. Log, remets cette mécanique en marche.
Log. Cet anneau est dangereux et sacré. Entre mes mains seules, il sera en sécurité. Ta divine intelligence aurait-elle une autre suggestion pour sauver Freya? Non? Voilà qui scelle le sort de l'anneau. Nul pacte, nulle promesse qui tienne. Pour rien au monde, je ne leur céderai l'anneau. Si, Votan, tu dois céder. Fuis la malédiction. L'anneau ne te voue qu'à la perdition. Écoute, seul un péril extrême pouvait aujourd'hui m'amener jusqu'à toi. Tout ce qui est prend fin. Un jour troublé annonce le crépuscule des dieux. Une seule fois, je t'en avertis. Laisse l'anneau. Votan? Eh bien, soit. Géant, recevez cet anneau maudit. Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. C'est bien, Votan. Nous sommes satisfaits. Contrairement à certains, nous n'avons qu'une parole. Freya est libre. Nous partons. Et là, pas si vite. D'où t'arroges-tu le droit de t'emparer de l'œuf et de l'anneau? Je l'ai négocié, Fasolt. S'il n'avait tenu qu'à toi, nous serions encore en train de tonner et de menacer. Je garde ce que j'ai légitimement gagné. Thank you.
voile. Là. L'arc. Qu'as-tu appris, mon fils ? Qu'as-tu appris, mon fils ? J'ai vu la folie des puissants. J'ai vu un tyran se cacher derrière les lois qu'il avait lui-même écrites, cherchant inlassablement à les contourner dans sa soif de grandeur. Wotan a volé un voleur. Cela ne l'excuse-t-il pas ? Non. Wotan n'a pas volé pour réparer un tort. Il avait besoin du trésor pour payer son palais, un monument construit pour célébrer la gloire des siens. C'est la sueur d'un peuple qui a payé la rançon de cet orgueil. Je ne vois rien de légitime dans ce geste.
Quand les quatre se partagèrent l'univers, ils proclamèrent aussi leurs lois. Chacun de leurs peuples put prospérer dans les nouvelles limites de leur territoire. Les échanges furent limités aux besoins de la science et du commerce. Les cinq races d'esclaves commencèrent alors à payer de leur vie l'opulence de ce nouvel équilibre. Les quatre s'accordèrent l'immortalité et s'attachèrent à plonger leur propre peuple dans un état de béatitude matérialiste et amorphe. Et les hommes ? Des esclaves, la mine, l'exploration spatiale, un peu comme les Nibelungen. Nous n'avons pas combattu ? Non, vous avez négocié. Fils, tu es parvenu au terme de ta longue errance. Le vif argent de ta bravoure, la fière écorce de ton endurance et les murmures assourdis de ton sang t'ont enfin mené jusqu'ici. Tu te tiens maintenant au seuil de ce que moi, Wotan, dieu des dieux, ai voulu pour toi il y a des années. Sache que cette maison fut ton berceau. Ce qui t'entoure a été pillé et reconstruit. Tu dois maintenant rassembler ce qui a été dispersé. Mes vœux et ma volonté t'accompagnent. Thank you.
Longtemps, une enfant bénie des dieux et de la terre vit le jour. Elle était vive et légère comme le vent, insaisissable comme le torrent et souple comme le saule. Très vite, elle eut l'intuition qu'une étoile particulière veillait sur ses longues rêveries et sur ses vagabondages solitaires. Or, Votan, le dieu des dieux, descendait parfois parmi les hommes sous le nom de Velse, le loup. Velse se prit d'un amour ardent pour cette fille de la terre, à la beauté d'ambre très pure, aux étreintes de plénitude et à la sagesse souriante. Il la choisit pour compagne entre toutes. Par une nuit d'équinoxe, elle lui donna des jumeaux d'une incomparable vigueur et d'une surprenante beauté. Ainsi, dans les langes mystérieux d'une douce clarté lunaire, fut fondée la lignée des Velsung. Mais la jalousie des hommes est prompte à s'aiguiser. Elle provoqua en la cruelle tribu des Nidingen une haine empoisonnée. Un jour que le père et le fils étaient à la chasse, ils pillèrent leur maison, massacrèrent la mère et enlevèrent la fille en tribu. Votan, voulant protéger son fils par un manteau d'oubli, choisit de disparaître. Mais il voulait lui laisser la chance de reconquérir son nom une fois parvenu à l'âge d'homme. Lors, Votan traça pour lui et par son immobile bien-aimé de savantes dispositions. Elle, si pure, il lui faudrait reposer longtemps dans l'éternité provisoire d'un tombeau. Mais le tombeau serait à la fois la clé de l'ultime demeure où elle trouverait la paix et celle du plan patiemment ourdi par le dieu. Et l'attente est légère pour celle qui dort du dernier sommeil.
il y a longtemps, une enfant. Or, Votan, le dieu des dieux, par une nuit d'équinoxe, elle lui... Mais la jalousie des hommes est prompte à s'aiguiser. Elle provoqua en la cruelle tribu des Nightingales. Votan, voulant protéger... Mais viendra le jour où le fils trouvera le père et la sœur par le dieu et la mère. Alors rayonnera la possible clarté d'un âge nouveau, et chaque élément retrouvera sa place, car telle est la volonté du dieu des dieux.
Soyez fée, femme ou apparition. Ne me repoussez pas, je suis étranger et épuisé, je dois faire halte ici. Femme et demeure appartiennent à Hunding, le guerrier. Mais nous t'offrons avec joie son hospitalité. Rentre et repose-toi, étranger. Je vais te chercher à boire. Sois mille fois béni pour ton accueil. Mais, pardonne ma curiosité de voyageur, que signifie le médaillon que tu portes? Est-ce l'emblème de ton mari? Oh non, bien au contraire. C'est la seule chose qui me reste de mes parents, et la seule chose qui me soit encore chère en ce monde. Je peux deviner ton histoire. Un jour que ton père et ton frère étaient à la chasse, les Nidingen vous ont attaqué, ont tué ta mère sous tes yeux et t'ont enlevé. Et puis ils ont traqué le père et le fils dans la forêt. Et finalement le fils a perdu la trace du père, ne retrouvant de lui qu'une peau de loup. Et depuis ce temps-là, Sigmund cherche Sieglinde. J'ai peine à le croire. Je t'ai enfin retrouvé. Que fait-il ici? Étranger, je n'ai pas de mal à reconnaître en toi. Ta lignée errante et sauvage. Tu n'es pas le bienvenu dans ma maison. Je lui ai déjà offert ton hospitalité, Hunding. Ah oui? Et depuis quand prends-tu de telles libertés? Grand dépit! Eh bien, soit.
Tu peux passer la nuit ici. Mais en hôte attentionné, je dois te prévenir. Demain matin, aux premières lueurs de l'aube, je te tuerai. Que tu aies une arme ou non pour te défendre, grand regret. Et puisque tu nous fais l'honneur de ta présence, je vais m'installer ici pour passer la nuit avec toi à cette table. Wounding ne sait rien refuser à ses invités. Toi, pose la chope au sol. Je veux bien voir mon ennemi. Zygmunt, comment vas-tu faire? Sans armes, tu es condamné à mourir, et moi aussi. Je ne supporterai pas de te perdre à nouveau. Oh, ma chère sœur, je crois que j'ai trouvé l'arme qu'il me faut. Mais pour la conjurer, j'ai besoin de toute la puissance de notre sang. Prête-moi ton médaillon. Plus chère de mes enfants, écoute-moi. Ne cherche pas à m'interrompre. La malédiction m'a rattrapé. Ma propre femme tord ma volonté. Zygmunt a aimé l'épouse, il a enlacé la sœur. Par deux fois, il a violé la loi sacrée du mariage. Frigga l'exige en tribut, et cette fois je ne peux lui refuser. Je lui ai promis de priver l'épée de sa magie. Je dois te demander d'abandonner Zygmunt. Mais père, je ne... Tu ne peux pas faire ça. Tu aimes Zygmunt, je le sais. Et je te suis fidèle. Par amour pour toi, je le protégerai. Brunhilde, tu ne comprends pas. Tu dois lutter pour que Hunding triomphe. Tu dois combattre pour les serfs de Frigga. Ce duel marque la victoire de la contrainte. Que vienne la fin de mon empire, que s'écroule tout ce que j'ai bâti, le mariage aura été respecté. Sois forte et prends garde. Zygmunt ne tombera pas en lâche. Lui, que tu m'as appris à aimer, le valeureux, le solitaire, jamais tes ordres ne pourront me dresser contre lui. Insolente, tu oses me braver. Qui es-tu, sinon le fruit aveugle de ma volonté? Toi qui fus ma joie, tremble de voir un jour ma colère s'abattre sur toi. Ce défi serait ta perte. Exécute mes ordres. Que Zygmunt périsse. Thank you.
J'ai vu un... Qu'as-tu appris, mon fils ? J'ai vu un grand héros, trahi par son père, renonçant au Valhalla. Il défie la vie et l'au-delà d'un même geste. Et paie sans faiblir le tribut d'un amour impossible. Il était amoureux de sa propre sœur. Je sais. Mais il ne me semble pas pourtant que ce soit mal. Tout ceci est une histoire, une légende. Je pense que leur sang commun n'est qu'un symbole. Une façon poétique d'exprimer qu'ils partagent à la fois un passé et une vision. Il y eut autrefois un homme comme celui-ci, un rebelle, un grand héros. 5 siècles après la destruction de la Terre, un esclave humain vola un vaisseau et devint pirate. En 10 ans, il avait fédéré autour de lui une armada de révoltés. On l'appelait le prophète. Avec sa petite armée, il combattit les 4 sur chaque planète et en chaque occasion. Il vivait en nomade, renégat poursuivi et misérable. Pourtant, peu d'hommes avaient été aussi heureux depuis longtemps. Pourquoi l'appelait-on le prophète ? Parce qu'il annonçait la venue d'un autre héros, plus grand encore, qui emporterait la victoire à sa place. Comment pouvait-il savoir cela ? Parce que je lui avais dit. Mais qui es-tu vraiment ? Valkyrie, vite, aidez-moi! Si vous ne voulez pas secourir la sœur, accueillez la fugitive! La fureur de Votan est sur moi. Le ciel tremble sur son passage. Siglinde est à l'abri. Je l'ai caché en un lieu que même le courroux de notre père ne saurait braver. Mais il a juré ma perte. Si ce n'est par les liens du sang, tentez de le raisonner par votre dévouement. Hélas, tu arrives trop tard. La colère de Votan n'est rien. À côté de la catastrophe qui se prépare ici. Nous n'osons même plus nous approcher de la ruche. Comment pourrais-tu t'y réfugier ? Quelque chose de terrible est survenu, Brunhild. L'immuable ordre des choses a été bafoué. Les murs souffrent, la nef hurle. La nécropole n'est plus que chaos et désarroi. Que va-t-il arriver si même la vie et la mort se dérèglent ? Peut-être est-ce là ta seule chance ? Si tu viens à bout de l'immonde fruit des ténèbres qui rage dans la nécropole, si tu parviens à renouer le fil des anciens gestes, peut-être notre père se radoucira-t-il. Te voilà de retour à la croisée des mondes. Il est peu d'espace qui se partage comme celui-ci, entre toute civilisation, tous âges et toute croyance. La tâche que tu entreprends est importante. Les lois du trépas sont vitales. La mort doit rester un port ouvert à tous les voyages. Celui qui t'attend mène à de bien étranges rivages.
Par mon père, qui es-tu? Par ton père. Mais, comme toi, Valkyrie, je suis l'enfant de Wotan. Tu es né de sa chair. Je suis le fruit de ses erreurs. Que veux-tu dire, monstre? Les morts grondent. Wotan délaisse ses devoirs au profit de ses plans. Est-ce qu'il t'appartient pour autant de punir l'égarement par une autre injustice? Les morts doivent-ils payer le tribut des désordres divins? Je crois que tu te méprends à mon sujet. Je ne suis qu'une arme, pas le bras qui porte le coup fatal. Qui portera le coup fatal aux dieux? Celle qui, au nom de l'amour, enfantera le crépuscule. Thank you.
Méchant, tu as encore fait des bêtises. C'est sûr, toi tu t'en moques, c'est pas à toi qu'ils vont en vouloir. C'est à moi, c'est toujours ma faute. Vraiment, c'est pas juste. Si tu recommences, moi je change de poupée. Ah, tu es là. C'est bien ce que tu as fait. Il faut que tu ailles voir ton père maintenant. Il est en colère contre toi, tu sais. Mais ça aussi c'est injuste, parce qu'au fond c'est sa faute tout ça. Némésis a raison. J'ai détruit Némésis. Qu'est-ce que tu es naïve. Tu n'as pas détruit Némésis. Tu es devenu Némésis. Je ne comprends pas. Chut, plus tard. Il ne faut pas dire tous les secrets. Va d'abord voir ton père, va. Relève la tête, misérable. Tu n'es plus ma fille. Je t'exclus de la lignée des immortels. À jamais, je te bannis de ma vue. Père, une dernière fois, écoute la prière de ton enfant. Je voulais t'obéir, mais moi seul ai vu la détresse sacrée de Siegmund. Dis-moi, est-ce si honteux? Vas-tu me répudier? Vas-tu reprendre tout ce que tu m'as donné? C'est ton guerrier qui te l'a enlevé, Brunhilde. Alors que déchiré de tristesse, je puisais en moi la volonté de détruire mon propre monde. Tu goûtais la volupté de l'amour et l'ivresse de l'émotion. Eh bien, tu seras comblé. Ici même, je te condamne à un sommeil sans défense. Le premier homme qui éveillera la Vierge prendra la femme. Père, ne me déshonore pas. S'il me faut vraiment te quitter, ne me livre qu'à celui qui saura s'en montrer digne. Protège l'endormi d'un danger effroyable pour que cela héros sans tache puisse trouver son chemin jusqu'à moi. Il en sera fait ainsi, suprême fierté de mon cœur. Oh, mon enfant sublime, qu'un feu nuptial brûle pour toi comme jamais pour fiancé. Seul fera ta conquête l'homme plus libre que moi, le dieu des dieux. Que tes yeux radieux brillent un jour pour lui. Pour moi, il se ferme à jamais. Qu'as-tu appris, mon fils ? J'ai vu... Qu'as-tu appris, mon fils ? J'ai vu une femme, une guerrière qui ne ressemble en rien en autre. Fille chérie du puissant Votan, elle défie son propre père par amour des humains. Je crois que je l'aime. Tu es encore un enfant qui s'agrippe au courage pour croire un peu plus à la nature humaine. Mais tu n'aimes pas vraiment cette femme. Tu es juste séduit par l'idéal qu'elle porte en étendard. Dis-moi, mère, la terre, qu'est-elle devenue? Je sais que nous n'avons pas toujours vécu dans les déserts de Ménite. Pourquoi ne sommes-nous plus qu'une poignée de survivants réduits à prostituer notre mémoire pour le divertissement de maîtres qui nous méprisent? La terre disparut lors de ce qu'on appelle le grand déluge. Un cataclysme galactique qui, en une pluie de comètes, ravagea l'univers et détruisit 5 planètes nourricières, dont la Terre. Vous êtes des survivants, Ish. Et votre art n'est pas juste un tribut honteux payé à l'oppresseur. Il fait partie d'un plan plus vaste, où tu joues un rôle de première importance. Pourquoi suis-je ici? Me le diras-tu enfin? Pourquoi les 4 m'ont-ils enlevé?
Que puis-je donc représenter pour eux? Un espoir. Les quatre viennent de se découvrir un ennemi, et ils ont besoin de toi pour le combattre. Mais je ne suis pas un guerrier. Ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Le plus grand des stratèges ne leur serait d'aucune utilité face à la menace qui s'approche. Que veulent-ils de moi, alors? Ils veulent redonner un dieu à l'univers, pour mener leur peuple à la bataille avec toute la furie et la détermination que seule la foi confère à l'homme. Je comprends. Ils veulent se servir du spectacle, montrer en exemple la puissance de Votan sur la scène pour annoncer l'existence de ce dieu fantôme. Tout à fait. Sauf que ce dieu n'est pas un fantôme. Il existe. Je devrais dire, il existera. Vois-tu, Ish, ce dieu, ce sera toi. Je me réveillais comme d'un rêve dont on ne sait pas trop si l'on regrette de l'avoir quitté, ou si sa perte annonce un meilleur matin. J'avais l'impression d'avoir frôlé les secrets de l'univers. Dans le sillage d'une vérité trop écrasante, je ne voulais pas encore voir ce tableau, où pourtant tant de touches de couleurs de trop près disparates formaient clairement, avec un peu de recul, l'image de mon visage. Mère, mille fois bénie, qui deux fois me donna la vie, je ne t'avais pas encore reconnue, mais te devinais déjà. Je savais bien que l'aventure ne s'arrêterait pas là, mais je savourais ce répit inattendu, les yeux perdus dans les étoiles, et toutes mes pensées tournées vers ce rêve de guerrière prisonnière des flammes. Cela ne concerne pas vraiment. Mais à la fin...